les langues se délient. Le 6 mai dernier, le roi Charles III a officiellement été couronné lors d'une cérémonie historique ayant pris place en l'abbaye de Westminster, à Londres. Plus d'une semaine après cet événement, mardi 16 mai, le Daily Mail a partagé quelques révélations, jusqu'alors méconnues, concernant le comportement du prince William ce jour-là. D'après leurs informations, le prince de Galles a notamment fait un choix très controversé. Lors du couronnement de son père, le prince William a arboré fièrement l'ordre anglais de la jarretière. Mais voilà, le 6 mai dernier, il n'a pas porté la couronne du pays de Galles. Un choix controversé, compte tenu de son titre de prince de Galles, qui, à l'approche du second couronnement de Charles III prévu en Écosse, fait jaser. La pression monte pour William afin qu'il accepte les honneurs du pays de Galles en assistant à une cérémonie d'investiture, ont également précisé nos confrères anglo-saxons. Supérieur à couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace, sans le prince Harry. Prince William, ces rumeurs qui circulent déjà sur lui peu de temps après le couronnement de Charles III, certains Britanniques ont, dès lors, rapidement commencé à imaginer celui du prince William. Et selon les dires du professeur Craig Prescott au Daily Express, il se pourrait que son couronnement soit encore plus simple et plus allégé que celui de l'actuel monarque. Un avis complètement différent de celui de Robert Morris, un autre universitaire, qui à nos confrères a estimé qu'il est possible que l'ère des couronnements soit révolue lorsque le prince de Galles montera sur le trône. Enfin, en ce qui concerne cette cérémonie, déjà très attendue, l'expert Russell Myers a, lors d'un entretien accordé à Today, partagé son avis sur la question. À ses yeux, il serait encore un peu tôt pour penser au couronnement de William. Pour l'instant, le prince de Galles a déjà une lourde charge sur les épaules. Il est certain que lui et sa famille devront être les porte-drapeaux de la monarchie moderne, a-t-il ensuite précisé. Crédit photo, Avalon Panoramique Best Image. Sit down.